j'ai relancé le record du coup. Pour l'intervention sur le data center. Fait chier parce que c'était propre, on avait pris le temps et c'est vraiment cool quoi. Est-ce que tout le monde est ready? Hein? Dans 10 secondes, le temps que tu sélectionnes la map et tout, ça sera bon pour moi. Ouais, le temps que Grumpy fasse son café quoi. Il dit il veut vraiment son café. C'est important. Après je dis ça mais j'ai eu le temps de faire mon café et ma clope qui est toujours, il a toujours pas fait son café. Ouais j'avoue. Non mais je suis là. Hein. Ah mais ok. Du coup allez en avant. Par contre je vois pas mes mains, ça m'énerve. Ouais mais une fois une game dans le lobby à chaque fois c'est... C'est parti. Y and go. No one dies. Au bout de 5 minutes, Jumper. Ah, oh, attends, je l'ai envoyé au charbon, hein. Moi, je savais pas. Après, qu'il y avait tu pouvais des... pas savoir, hein. Bah, même moi. Mais c'est très bien, du coup. Ce genre de truc-là. Et pour quelqu'un qui demandait et tout, pourquoi les maps, les machins, les trucs. Parce que, bah, justement, les maps, il y a que dans les films que t'as une représentation. Que t'as une carte de tout. Avec un blueprint magnifique que tu vas chercher soit à la librairie nationale, soit à la mairie du coin. Il y a que dans les films, ça. Donc du non, coup mais là c'est vraiment bien qu'il y ait une diversité et que t'as pas tout qui est vrai. T'as pas tout, tu peux. Ça, parfois ça peut être les photos prises par un otage de la zone, ça peut être du truc d'extraction pour le coup, du truc d'incendie là. Bref, non vraiment c'est bien. Là c'est un vieux croquis donné par un otage je pense et en avant quoi. Du coup c'est que je vais direct avec eux parce que dans tout cas vu qu'ils reviennent sur vous après. Vas-y. Ce sera plus simple. Écoute Danny, là, au lieu que ce soit moi qui décroche le jumper, tu wedge direct vu que t'es 3ème. Comme ça, avec jumper, on peut continuer à avancer. Vas-y, Bazou, hein, ma courante à gauche. Tu y vas, Ok. Danny. Ok, porte wedge. Vas-y, okay. En avant, Baz. Ok, j'ai plus qu'à croupir pour prendre l'info. Vas-y, poulet. Un contact visuel, je recule, ok, il est à midi, comme au, okay, au fond. Ok, je me remets derrière. Affi. Bah, Izu, pareil, hein. Je décroche, il était à combien seul. De mètres, Jumper? Il était vraiment tout au fond du. Okay. Je peux pas dire 20 mètres, okay, 25 Danny, mètres. Ok, tu veux, ouais. Accroupis-toi, non, un smoke, poulet. Mais bah, c'est une smoke. Mais recule au fond, Danny. Là, derrière toi, là, poulet. Oui, mais. Là, il est en bas des escaliers. Oui, mais c'est. Voilà, et là il a un visuel sur moi. Voilà. Ouais, non, mais t'as un meilleur visuel toi pour lui envoyer. Oui, mais je voulais faire le tour, quoi, pas qu'il ait un visuel sur moi. Ok, j'ai le contact visuel. Il vient vers nous, porte qui s'ouvre. Il y a un pack qui vient d'ouvrir une porte. Et il est parti sur la droite du parking. Il est parti sur la droite du parking, les gars. Il y a deux smokes qui partent sur le parking. Et il y a un pack qui est aussi proqué à la porte. On a plus le visuel, hein, sur le mec. Ok, bazou. Ouais. Attends, tu vas venir me remplacer, d'accord? Danny, tu vas venir décrocher, tu vas venir commander Baizu au niveau de la rampe PMR qui est juste derrière toi pour pouvoir jouer le parking, d'accord? Baizu, vas-y, décroche. Barre-toi. Va aider Baizu. Vous faites deux colonnes de deux, là. Regarde, Campy, il y en a un derrière la porte. Je sais. On a le mec qui était parti sur le parking? J'ai juste smoké le parking et à droite, là. Voilà. Allez, en avant. Il vient de doucement, se relever doucement, les gars. Personne ne die aujourd'hui. Il vient de se relever là, il est debout derrière la porte. T'en shift. Ok, maintenant là le danger c'est le mec sur le parking, on a plus de visuel dessus. Merde. Avance au niveau du colis bleu. Ouais, vas-y. Vas-y Jumper, avance de 5 mètres, jusqu'au pilier là. Ouais, voilà, dans le petit Adjeko là à droite. Bouge plus. Je garde le midi. Tu veux pas tester The Finals? Absolument pas. Ok, avance au niveau du plan à droite. Il est rendu le mec. Vas-y, avance. À notre gauche, on n'a pas à s'en occuper, il y a les collègues. Ok, rien okay dans la elle est safe. Ouais. Vas-y, avance. Ok. Va contact à la porte, poulet. Ok. Ok, il a essayé de se relever. Il a essayé de se relever, c'est nous. Mais poulet, rends-toi.
Ok. Vas-y, Jumper, pousse la porte, poulet. Regarde à midi, regarde à midi. Ouais. Ok, nickel. Mais on a une porte ouverte. L'objectif. Ouais, je crois. Tu sais que c'est derrière, il va se. Non, non, je suis pas derrière, je suis pas derrière, moi. Ok. Comme ok, je m'occupe. Ferme la porte, ferme la porte. Je vois le gars qui se rend. Il est à gauche, c'est le gars. Tiens, va. Jumper, remplace la porte, poulet. Personne ne meurt. Il y a juste à gauche là, il y a gage juste à gauche. Après l'escalier. On est derrière lui. Bon, Jumper, okay. La porte qui est derrière toi, elle est piquée en fait. Oui, oui. Ok, ok. On remplace la porte, je vais ouvrir et refermer derrière. Attends. Non, moi je suis à l'autre corner de l'autre côté de la map. Hein. Oh, what? Personne ne die. Y'a un mec là? Non, ok. Vas-y, recule, Jumper. Les gars, les shields, quand vous vous mettez, please, la plupart du temps debout, d'accord? Pas accroupi. Ouais. Okay. Vos genoux sont moins importants que le thorax du mec derrière, ok? Le breaker est wedge ou pas? Ouais, on l'a fait. Ok, en avant. On recolle. Du coup, vous avez arrêté quoi? Deux packs? Deux, ouais. Happy. Il y a le mec qui est là, je vais le mettre ici, là, où on est sûr. Ok, quand tu veux, Bayzou. Vas-y, go. Doucement. Ok. Vas-y, on avance. Vas-y, Jumper. Ok. Ok. Hop, on est reparti. Attention au toit. C'est fermé, le préfabriqué. Vas-y, Jumper, avance, c'est la camionnette là. Le reste sûrement hanté. Ouais, je suis sur toi. Ok, on fait gaffe à la hauteur. Doucement, okay. stop. Denis, tu prends les hauteurs, là. J'ai fermé la porte. Même fais gaffe à gauche, là, au niveau du. Derrière le préfabriqué de merde, là. Ouais. Au niveau du truc jaune et derrière le conteneur rouge, à chaque fois j'ai les boules. Non mais regarde à droite. Attention. Oh, ça parle sur le toit. Je pense à l'escalier, ça va arriver en face. Attaque visuelle. C'est où? Je me permets toi à droite. Sur le toit. Dans l'escalier. En face. Escalier en tirail en face de vous. Une smoke qui part ou pas? Oui, j'envoie une prise. J'envoie. J'ai dit j'envoie une prise. C'est pas grave. Je suis en dernier donc. Ok, va jouer la porte, Bayzou, à droite si tu peux, si elle est fermée. C'est Wedge. Je vais se moquer au-dessus aussi. Hein. Attention, ouais, sur le top. Attends, me gêne pas. Pardon. Putain, la pute. C'est pour de merde. Oh, je vais niquer. Je vais péter un câble. Y'a une hitbox invisible. Ouais, ouais. C'est pas grave, j'en ai envoyé 4. 4 pour rien du coup. On attend que ça se calme. Parce que si le mec est dans l'escalier de merde, là, t'es parfait là, Bayzou. Sorry pour les smokes, elles servent à rien. Attends, je peux pas savoir. C'est dommage qu'on puisse pas les drop, tu sais. Ouais, clic droit. Mais bon. Vous voulez faire quoi, les gars, derrière Grump? On peut. Là, vous, c'est comment votre porte a été wedge? Je vais la jouer. Il est arrêté dans l'escalier, je crois voir un yep, mais je suis pas sûr. Non, il est mort, les gars. Non, Delta Charlie Delta, le mec. Mais non, c'est impossible d'ici. Si, je vois un mec Delta Charlie Delta devant. Ouais. C'est peut-être pas le même, il a peut-être tiré sur son. Ils ont peut-être sur cross, hein. Ouais, moi aussi, je vois un pied, ouais. Ok, bah, hey, nous on prend les hauteurs, d'accord. Essayez d'avancer, essayez d'écarter sur le côté, ouais, ok. Vas-y. Bayzou, mets-toi au niveau de la poubelle à gauche, là. En faisant un crabe, poubelle, avance, s'il te plaît. Jumper, prends midi, t'inquiète, ils ont les hauteurs. Okay. T'as pas besoin de t'inquiéter. T'inquiète, les hauteurs, pas ouf quand même. Mais prenez l'escalier, je prends les hauteurs. Bayzou, bouge pas, t'es parfait. Tu peux t'accroupir, Bayzou, reculer contre moi un peu. Stop. Pas pour le coup. Oh ouais. C'est quoi, Delta Charlie Delta, non? Ouais. NKP. Je pense qu'il. Il est pas sonné? Non, des fois ils sont inter comme ça, mais ils sont pas morts. Il est sonné. Ok. Porte open à mes midi sur la passerelle. Ok, Bayzou, on décroche. Vas-y, passe derrière, Bayz, je prends les lignes.
Vas-y. Jumper, avance un peu, s'il te plaît. Parce que là, vu qu'on est tous dans l'escalier. Voilà. Mais il est arrêté là ou. La fille. Vas-y, hein. Attends, bah, avant, Jumper, t'es où, toi? Va okay, flasher le jardin. Attends, Johnny, il ira à droite. Vas-y, voilà, bouge plus. Voilà, nickel. Les cossons à l'intérieur, où c'est vous? Je sais. Non, négatif, j'ai arrivé de derrière, je pense que c'est peut-être moi. Moi, je suis en train de tenir l'escalier, hein. Ok, j'ai quand même un écossant à l'intérieur, ça parle. Allez, comme d'habitude, okay. La porte, faut. Grumpy, vas-y, prends le lead pour fermer la porte. La porte ok, vas-y. La porte à droite, elle est rase, elle est fermée, elle est ouverte, elle est comment? Porte à droite? Oui. À l'intérieur. Elle est ouverte. Ok, ça marche. Va la fermer, Grump, celle-là. Hein. Je ferme. Ok. Recule, je watch. Ok. Voilà, vas-y, Baizu, tu peux commencer à progresser. Okay, et Denis, tu peux follow. T'arrêtes pas, Baizu, va te mettre en bas de l'escalier. Hein. Ouais, mais après. Jumper, tu passes devant. Mais après. Et tu montes Escar. Et l'autre, il a été vraiment géré. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Monte Escar, poulet. Hein. Vas-y, t'arrêtes pas avec Grumpy. Si vous voulez commencer à travailler à l'extérieur, Denis, vous pouvez aussi. Hein. Ok, vas-y, avance, Baizu. J'ai aucun contact visuel pour l'instant. J'entends sur le toit. Hein. Ou passerelle, je sais pas, mais j'ai un écosson. J'ai aussi l'écosson, mais c'est. Ok, Baizu. Passe pas que ce soit sur le toit. Passe à droite. Ouais. RS à gauche. RS à droite. Ok, c'est RS. Ah, elle peut fermer, je la voyais au garde de ton dessous. Ouais, porte fermée. Porte fermée, AWG, au revoir, terminé. Hein. Vas-y, tu peux aller dessus, je te cover. Quelqu'un vient à la wedge parce que j'ai pas de wedge, les gars. Il y a un jumper, nous pour l'instant on peut. T'en as pas, Baizu? Et redescendre. Si, j'en ai. Bah vas-y, on te cover. C'est wedge. En avant. Bah il est. Eh hey, les gars, du coup il est mort de quoi l'autre? Il est pas mort, il est pas ouais, mort. Il est inconscient. Ah bah. Mais c'est bizarre parce qu'il est pas restreint là. Ouais, moi je te vois. Il est restreint. Si. Moi je ah ouais j'ai entendu il est bleeding, dans le dos, bleeding il est out quand même hein. And need medical assistance. Donc bon il est inconscient mais il a une petite hémorragie comment il a pu il est bien restreint là. Oh, puis là on l'a bien vraiment mis dans une position latérale de sécurité hein. Bah moi je le vois en train de faire un salut mais je dirais rien. Ah ok. Ouais c'est intéressant comme attends comme moi position. J'ai un F possible sur lui. J'ai peur. Oula, j'avais un F, je viens d'appuyer dessus et maintenant je peux plus rien faire. Tiens, ça se trouve c'est le même genre de F qu'il faut pour report un de nos bonhommes là. J'ai vraiment peur de lui, mais bon, partir du principe de toute façon qu'il est traité ah comme ça. Ah si, je être. Vois qu'il a les serflex, mais dans le vide. Ok, très bien. Du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé en revanche? Bah ça se trouve c'est le M320. C'est moi ça se trouve. Mais t'as fait un tir direct avec le M320? Bah dans l'escalier, mais pas sur lui. Ouais, faut faire vraiment jamais de tir direct ou vers. Ouais, mais jamais vers eux, poulet. Hein. Jamais vers eux, faut que tu réfléchisses à chaque fois pour faire le meilleur de tes rebonds, quoi. C'est pour ça que je voulais balancer une smoke en haut, moi. Mais je l'ai pas fait direct sur lui, mais inconsciemment, ça l'a touché, tu vois. Mais ça se trouve, c'est moi qui lui ai mis une tête, hein. Franchement, j'ai tiré. J'ai tiré au shotgun. Hein. Ouais, peut-être ça le tue. Tête shotgun? Ouais, ça le déglingue, ouais. Ok. Ah oui, non, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois éviter la tête quoi. Vas-y, Grumpy, prends le lead, poulet. Ok, là ça pue du cul, vraiment. Ok, merci. Parce que là en fait, on a les portes à droite, elles sont ouvertes. Il y a un pack à droite qui attend au milieu de la porte. Et à gauche, la porte qui a nos 11h, pareil, elle est ouverte et il y a le pack qui attend au milieu de la porte. Donc en fait, là, si on ouvre, on a un pack à notre droite, un pack à notre gauche. Ok, et les bien. Portes ouvertes. C'est quoi ta reco? Je pense le mieux c'est de changer et d'essayer de
Essayez de passer plutôt par le breakers plutôt, non? Bah bon. Bah je sais pas. Non, parce qu'au final, de toute façon, on va devoir le taper quand même. Tu smokes à droite, tu pushes, tu smokes à gauche. Ouais, smoke à droite, smoke à gauche, on part en croisée et... Le mec à droite, il est dans notre pièce ou il est dans la pièce? Hein? Il est... là maintenant, il est passé dans l'autre pièce. D'accord, donc dans la porte à droite est ouverte. Les... Ouais, y a... en fait, quand on rentre à droite, il y a la porte qui est ouverte et derrière, il y a une autre porte qui est ouverte. Enfin, en gros, il y a un peu plus loin, il y a une porte ouverte aussi. En sachant qu'à l'escalier, c'est ouvert aussi, tout à l'heure, t'as dit. Ouais. Donc il y a trois portes et, ouvertes. Et sachant qu'il y a... À 11h, il y a la porte qui est ouverte aussi. Ouais, on a compris. En gros, là, actuellement, on est... Ouais, mais on face, est midi, face midi, face midi, il n'y a rien du tout, on est d'accord? Face midi, c'est un mur. À 11h pile, il y a une porte qui est ouverte où il y a un Pax. À nos 3h, il y a un d'accord, Pax okay, avec ok, juste deux les réponses portes aux ouvertes. Questions, Grump. Ok, juste à 11h, du coup. Face midi, il n'y a rien? Face midi, il y a rien. Ok, très bien, ça marche. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le prolongement de la porte, on va pas être trop emmerdé. Jumper plus Grumpy, vous restez exactement comme vous êtes là. On va ouvrir la porte face midi. Le but du jeu, c'est que tu fais gaffe Grumpy sur le fait que le mec de 11h vienne pas dans le prolongement de la porte qui sera ouverte. Et nous, on essaiera tant bien que mal de faire suffoquer Jean-Maurice à droite et de le faire venir quoi. Mais il n'y a pas de moment où on rentre, ok? On rentre pas quoi. On essaie tant bien que mal de prélever le mec qui va être à droite, d'accord? Bien pris. Ok. Mais Grumpy et Jumper, vous restez tous les deux là. Le but du jeu, c'est d'être hyper vigilant et hyper attentif sur Jean-Maurice s'il arrive au niveau du prolongement de la porte qui sera ouverte. Ok. Au son à droite, à 3 heures de la porte. Grumpy, tu peux regarder pour le coup s'il y a un truc face midi. C'est vraiment ça le problème. Tu peux te mettre à gauche de la porte, Baizou. Face midi, il y a rien. Et comme j'ai pas énormément de smoke, c'est toi qui vas venir là où je suis, Danny. Pour balancer une smoke longue par-dessus Baizou. On est d'accord que si là il ouvre la porte, Baizou à face 2h, y'a rien non plus quoi. Sur Baizou? Ouais, s'il ouvre la porte, il va ça avoir tire un ou pas mec. Il va sûrement avoir un mec, ouais. Parce qu'en face de Baizou, y'a un mec. Hein. Ok, très bien. J'ouvre face midi, vous êtes prêts? Tu balances ta smoke dès que je te le dis, poulet. Je unwedge maintenant. D'accord, je vais piquer la porte, tranquille. Je vais tenter de balancer une smoke par l'interstice. Si elle est ratée, c'est pas grave parce que je push derrière. Elle est bonne, il me semble. Mais je vais pusher la porte et tu vas en mettre une longue. Mais en prenant ton temps, mon poulet, ok? Ok, 3, 2, 1, j'open la porte. Je recule, balance une smoke longue, poulet. Tranquille, reste derrière Baizou, hein, poulet. Hein. Oh, t'as la pété de loin. Ouais. Pas cool. Ça touche pas, hein. Oui. Tranquille, bah ils pusheront pas de toute façon. Hein. Si ça pousse pas, essaie d'en balancer une autre. C'est une M320 smoke. Elle est propre, moi, je pense, celle-là, non? Ouais, elle est partie plus loin à droite. Ouais, je confirme. Et moi, j'envoie en face de moi. Ouais, vas-y. Ça tousse à droite. Envoie à gauche. Ouais. Et du coup, on va y aller en croisée, d'accord? Jumper et Grumpy, vous partez main courante à droite, Baizou direct dans le prolongement de la porte à gauche. Si vous parlez, okay. Baizou direct dans le prolongement à groupe. Jumper et Grumpy, main courante à droite. 3, 2, 1, top action, go! Ça, c'était dans l'ordre qu'on voulait. T'aurais pas dû partir, c'est pas très grave, poulet. Ok? Faut fermer les portes. Faut se mettre à la place, le shield là. À la place de la porte. Non mais y a l'escalier qui est... Ok mais c'est pas très grave, j'ai la porte de l'escalier. D'accord c'est pas grave, quelqu'un pousse l'escalier. D'accord, quelqu'un va jusqu'à l'escalier là parce qu'il fait de la merde. Je peux pas y bloquer. Ok, vas-y. C'est pas grave, tranquille. Ferme la porte. Allez, Baizou, l'escalier, en avant. Baizou, l'escalier, pas Denis. Là tu viens d'ouvrir Denis, je sais pas s'il y avait un mec, t'es mort du coup. Dans le couloir. On commence pas à faire des bêtises là, please. Parce que là, c'est là que du coup, on va essayer de vouloir. On va vouloir. Ça va nous exciter et on va commencer à faire de la merde et on sait exactement comment ça va se passer. Et dans 20 minutes, du coup, bah, on va dire bon, bah, on arrête parce que c'est relou en fait. D'accord? Donc, on fait gaffe, please. Et quand je donne quand je dis à, comment dire, à Jumper et Grumpy, vous y allez main courante à droite, c'est l'ordre dans lequel ça doit partir, d'accord? Donc, ça peut pas être Jumper et Baizou et Grumpy en fait.
Ok, ça veut pas être deux shields qui partent, Baizu, ok? Voilà. D'accord, ok, ça marche. Je t'ouvre la porte. En avant. Allez. Ok, du coup, la porte est pas piégée. Tu vas le mettre dehors? Porte fermée. Ouais. Face à nos 11h, porte ouverte, comme du coup je vous le signalais juste avant. Et tu peux fermer la porte derrière. Pour l'instant, c'est rase, je vois personne. Mais j'ai pas d'écho son sur un Pax hostile, ou un Pax en général. Vas-y, vas-y, grimpe. Redis poulet parce qu'on était en train de gérer ce qui se passait derrière. Du coup, la porte elle est pas piégée. Face à nous, on a à 5 mètres une porte fermée. À 11h, on a aussi une porte à 5 mètres, mais cette fois-ci qui est ouverte. J'ai pas d'écho son sur un Pax. Et on a aussi à 5 mètres un couloir qui part sur la droite. Mais j'ai. Voilà, rase pour l'instant. Vas-y, vas-y, lead poulet. Ok, je vais unwedge. Ok, il faut que le deuxième shield, ouais, il se mette devant. Voilà, ma droite, voilà, nickel. Mets-toi debout, Jumper. Ok, je vais d'abord pique la porte. On va attendre pour voir ce qui se passe. Ok. Là, normalement, la Jumper, si tu t'accroupis, le mec derrière toi peut voir ce qui se passe au loin. Enfin, il a un visuel. À 11h, la porte est ouverte. Merci. D'accord. Je vais pousser pour prendre mes 1h, ok? Ok. Je push la porte, 3, 2, 1, top. Ok. Dany, normalement, toi, ta mission, c'est de prendre le couloir. Non, ok. Ok. Là, ce qu'on veut faire, c'est Jumper. Tu vas faire un bond de 5 mètres face à midi, avec le Pax qui est derrière toi, il va te suivre. Après. Ensuite, Baizu, tu rentreras à droite quand les deux seront placés. Ok. Ok, quand vous voulez. Jumper, quand tu veux. Ok, ça suit. Voilà, nickel. Baizu, tu suis. Ça parle. Ça... Décale-toi légèrement, Jumper, je ferme la porte. Ça okay. Arrive à gauche, ça arrive à gauche, contact à gauche. On a visuel, j'ai visuel dessus, j'ai mon laser. Regarde à droite du coup, Jumper. Là, tu me sers plus à rien. Ok. Je ferme la porte. Ok. Voilà. Ok, Jumper, mets-toi au niveau de la. Jumper, mets-toi au niveau de. Passe la porte, fais main courante à gauche, va de l'autre côté au niveau du panneau okay. Meeting, s'il te plaît, please. Ok. Quelqu'un voilà. Prend la face midi, vas-y, ferme la porte derrière. Voilà, ok, nickel, please. La porte est ouverte à droite, Jumper. J'avais peur. Ok. Quelqu'un prend le face midi derrière moi, juste à mon contact à gauche. Ouais. Là, la porte au contact à gauche, Dany. Tu vas avancer à droite, main courante à droite. Ouais, main courante à droite, voilà, s'il te plaît. Nickel, voilà. Et... Ok. Dany prend la porte midi, Six il est à l'intérieur de la porte, enfin, le côté gauche, quoi. C'est ça. Est-ce que, Jumper, tu peux faire un décalé légèrement pour allez, regarder allez, ce que c'est tu bon, vois Dany, à l'intérieur. C'est bon, Dany. Pour voir à l'intérieur. S'il te plaît. Ça marche. C'est d'air. Pour l'instant, c'est ras, je vois rien. Attention, contact à gauche, j'entends. Écho son. J'ai visuel. Ouais, c'est pour toi, c'est pour okay. Toi. Ok. Ras, mais j'ai pas la... À droite de la pièce, j'ai pas tout le droit de la pièce. Ok, négatif. Okay. Hey, Baizu, tu vas taper dedans sur le top. Jumper, regarde devant, ne bouge pas, d'accord. Baizu, tu vas taper dedans sur le top action et c'est moi qui suis derrière en croisé Grumpy, ok, okay. Baizu, okay. 3, 2, 1, top à droite. Ok, Jumper, tu te mets à la place de mon laser, poulet. Là, tu prends midi. Tu vas ouvrir sur les midi. Sorry pour la porte. Vas-y, tu peux la fermer, poulet. Contact visuel sur un civil. Ok. Yeah. Dany, va derrière lui, poulet. Bouge pas, Jumper, je l'appelle. Ouais. Okay, moi, tu veux que je me baisse, Six? Vas-y, vas-y. Mais moi, je tire dans les plafonds, de toute façon, avec le M320. Ouais. Ok, s'il faut, là, on peut prendre le bureau, il n'y a personne à l'intérieur. C'est meeting, rare, tu veux bureau. Dire? Ouais, le meeting, ouais, le bureau. Okay, très meeting, bien, ça marche. Ouais. Non, t'inquiète. Allez, avance un peu, Baizu. Il vient, Jean-Maurice, là? Allez, quoi fait l'objectif, les deux shields, là? C'est ce que je viens de faire. Pour te fermer à gauche. Ok, tu le gères, Denis? Okay, je pique le bureau, j'open le bureau. Emmène-le, poulet. Hein. Je rentre bureau. Je suis rentré office. Enfin, je suis rentré meeting. Vas-y, tu peux l'ouvrir le meeting. Moi qui va arriver à votre cas, gauche, Ouvre, poulet. Fais gaffe au piège, y'a pas de piège. Tu peux y aller. Le gars, tu peux avancer. Baizu, tu peux avancer main courante à droite, ok? Doucement. Y'a mes contacts. Smoke, rebond.
rebond, smoke rebond. Je smoke rebond. C'est rendu. Ok, bien vu. Baizou avance main courante à droite, tranquille. Doucement, doucement, doucement. Ouais, bien pris, bien pris. Doucement, stop, 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 stop. Ah, je bouge plus, Et la porte, elle est comment devant toi, Baizou? La porte, elle est ouverte, elle est ouverte. Ok, tu vas aller la remplacer, d'accord? Et on va faire main courante, on va y aller tous les deux, d'accord? Les gars, quelqu'un tient en joue, lui? Oui, je l'ai. Ok, tu le fais venir vers toi là? Nickel, super, t'as un monstre, Denis. Tu me dis à ton top, j'y vais. Hein. Vas-y, 3, 2, 1, top. Quelqu'un prend la porte face midi pour nous. Nous, on avance de l'autre côté. Vas-y. Je la remplace. Ferme la porte, poulet. Si tu peux. Ok, je peux pas. C'est pas grave, je la ferme. Vas-y, ferme-la. Ouais, c'est bon. Bien joué. Allez, c'est Wedge. Non, c'est Wedge. Ok. Allez, Wedge, jumper. Couche-toi un peu, poulet, et je... Ok, négatif, je peux pas wedger, j'ai pas de wedge. Jumper, tu peux le faire si t'en as un. Hein. Oh, après, ouais. C'est wedge. Ok, allez, l'autre, on l'emmène, là. Putain, la smoke était parfaite, hein. J'ai deux gros impacts sur le chien. Ah ouais, bah lui, il était vraiment dans le corner comme une pute, quoi. Ouais. Pourtant je lui tire dans la jambe et tout, lui faut vraiment le dégager dehors en revanche les gars, enfin pas dehors mais vous avez compris quoi. On a wedgé là la porte Quelle porte? Non, attends, de l'escalier. Quelqu'un peut m'ouvrir cette porte là, la porte du bureau please, jump. Juste le bureau à gauche là, il prendra pas de balles là-dedans je pense pas. Les murs c'est pas des cloisons en bois. Allez ouais. Ok, Morkchen, c'est il y a pas de piège et je vois pas de packs non plus. Donc voilà, pour l'instant Kitchen c'est Ras. Ok. Là la deuxième porte pareil, porte lobby, actuellement il n'y a pas de piège à la porte. Face midi à 10 mètres la porte elle est fermée, il y a toujours la porte à 11h à 5 mètres qui est ouverte. Et toujours pas de visuel à droite sur la salle d'attente là. Et j'ai pas d'écho. Mais viens, on joue la Kitchen de toute façon non? Ouais, affi. Okay, non mais c'était juste pour donner une info. Et dans la kitchen, t'as rien vu du coup? Non, négatif. Vas-y, bah comme tu veux. Ok, John Wedge. On peut faire une smoke rebond au cas où au fond à gauche là, pour le fond à gauche et puis... Danny, tu après... fais main courante à droite et tu la balances poulet? Je pique, ok, j'ai pique la porte, vas-y. Ok, tu veux la faire par l'insertion? Ok, vas-y. Ah, il peut pousser un peu la porte si vous sinon. Top, ouais, bouge pas. Ouais, elle est pas mal. Je fais ma courante à gauche et je vais coiffer la porte. C'est qui est devant? C'est Baizou. Ouais. Baizou à droite. Ok, ouais. Baizou, coiffe toi, t'es le premier qui rentre, tu pousses la porte et tu rentres à gauche. Et Danny, il te suit. Et si Jumper c'est et moi, Jumper, ouais, on vous allez face midi. Oui, oui. Ouais, voilà. Allez, go. Top. Ouais. Hands on your head, do it down on your head, move, hands up, drop your knees. Rien au milieu. Dernier, je rentre. Ok, je ferme derrière. Ok. Ok, on peut... tu peux checker direct, hein, poulet. Ouais, c'est ce que je fais. Ok, on est bon. Donc, je vais me checker de l'air en premier. N'oubliez pas de reload, les gars. Ok, on a un Pax direct à nos 11h, enfin à nos 10h même, c'est vraiment à gauche quoi, vraiment tout au fond à gauche de l'office. Il est pas dans la salle, dans la waiting room, il est directement là derrière les... Dans le guichet. Dans le guichet, voilà, il est tout au fond à gauche, sur la deuxième porte à gauche. Du coup, je pense qu'il est là à nos 9h quoi, quand on rentre. C'est ça, affi. Donc là pareil, on peut refaire la même chose, là on peut piquer la porte. Envoyer une smoke rebond pour lui et ensuite ouvrir la porte entière, envoyer une smoke rebond, enfin une smoke au fond et puis aller push sur le, enfin attendre un peu et limite et push après sur le mec, enfin sur la waiting room et le mec quoi. Ok, autrement du coup on peut faire 2 et 2 sur les deux endroits sur la map là, là où on a comment dire, pardon. Clear le gars. Ouais, là où on a clear le gars sur là où t'as regardé tout à l'heure là. Ouais, fille, on peut faire ça, ouais. Ok, d'accord. Donc Grumpy plus Jumper, du coup, à gauche.
Et moi d'ailleurs, donc sur l'autre point d'insertion, et au niveau de la kitchen, juste Dany et Baizu au final. Donc du coup, il y a une smoke à balancer, contact à gauche quoi. Néanmoins, en dry, là vous pouvez déjà ouvrir. On peut déjà ouvrir à la limite ici là, Baizu, puisque la porte est favorable en plus. Vas-y, je vais piquer, d'accord, parce qu'il a peut-être pas la vue sur tout ce qui se passe en face. Je pique et j'open. 3, 2, 1, top. Tranquille, on bouge pas. Ah et ouais. Dany, il y aura un mec pique, peut-être contact à gauche, d'accord. Moi je garde avec le, je garde le shotgun. Vas-y, hein, si tu veux balancer de la smoke, Dany, contact à gauche. Et on va discuter avec lui. Moi j'ai la flash derrière au cas où. Parfait, ça va, hein, nickel. Elle est dans, le, ah bon dans la witching. Elle est dans la witching là. Elle a rebondi tant que ça. Elle le mec est contact à gauche, ouais. Les gars, apparemment. Ouais. Hein. 9h à gauche, Dany. Là tu peux la faire vraiment short la smoke. Mais là, parce que là, elle est passée par-dessus le confort. Ouais. Elles ont des physiques un peu chelous parfois. Hein. Là, ça doit être pas mal. Ah, là, du coup, elle est dans nos yep, elle est parfaite, je pense. Ouais. Je vais push un peu la porte sans l'ouvrir en entier. Elle est trop proche, du coup. Attention, ok, nickel, ouais, putain, on est bien là. Ouais, c'est pas simple. Attends, je vais essayer de vous le smoke, le mec. Vas-y, essaye, s'il te plaît. Ouais, okay, c'est un monstre. Ok, Baizu, essaye de lui dire de se baisser. Il est passé dans la waiting. waiting. Je le vois pas. Il est dans la waiting. Passez vers la waiting, ouais. Il est entré waiting. Avancez. Ouais, tranquillement, prenez de la ligne. Baizu, avance un chouïa, s'il te plaît. Ok, c'est rendu. Parfait. Elle est plus dans le guichet, y'a rien. RAS dans le guichet. Moi je vais prendre la ligne face midi là au niveau de la fougère là. La porte est ouverte à gauche je pense. Bah Izu tu peux oh, no, ça tire. Il s'est rendu, Ouais, il est en plein milieu, de la witching. Ok bah Izu, tu peux te mettre au niveau, là tu peux avancer au niveau du de l'angle qui descend là 45 degrés là, voilà exactement, ok nickel. Reste sur son épaule gauche s'il te plaît Dany, regarde le... Bah, je l'ai en visuel hein. T'es parfait, impeccable. La porte du T est ouverte, Ok, nickel. La porte du thé est ouverte. Ouais. La porte en plein milieu là. Ok, très bien. Bien pris. Du coup, je vais vous la smoke s'il faut. Je vais faire main courante à gauche pour essayer d'ouvrir au niveau du jardin vertical là, ok. Ça tousse là. Ouais, c'est le mec en plein milieu. Il est dans la smoke. Ok, j'ouvre moi sur le côté. Vas-y, Jumper, tu vas faire un bond de 5 mètres jusqu'à la vitrito là. Voilà, nickel, bouge plus, poulet. Et vas-y, nickel. Les gars, vous pouvez faire ma courante à gauche. Hein. Vous pouvez faire avancer tous les deux, Baizu et comment dire. Et Dany, sorry. Vas-y, il en rajoute lui. Vas-y, il va nous vomir sur les yep. On l'appelle. Ok, là, du coup, Jumper. Et j'arrive à choper. Tu vas faire un bond de 5 mètres devant là. Juste avant la porte. Ouais, juste avant la porte. Il y a toujours un angle mort dans la waiting room quand même, hein, que je vois pas vraiment. Là, c'est pour ça qu'on y va. Vas-y, Jumper, avance, poulet. Ok. Vas-y. Là, sur ma lumière, je vois rien moi. J'ai visuel. Y'a rien. RAS pour l'instant. Ok, bien pris. Ok. Du coup. Y'a pas de porte. Quelqu'un gère là ? Ouais. Jumper, tu vas remplacer la porte, poulet. Mais après, je ferme la porte derrière toi. T'as une visée sur un civil, je pense. Mais c'est plus loin sur la gauche, Ok, je ferme quand même au cas où, poulet. Bien après. Ok, j'ai fermé. Voilà, nickel. J'emmène le PAX, je le mets dans le bureau derrière. On va faire un bond, voilà, jusqu'à l'arrêt du mur, là. Bien après. Nickel. Voilà. Et là, maintenant, on est bon. On n'a plus besoin de bouger. On attend les autres. Vas-y Grampy, tu peux continuer. Hein. On est derrière toi. Hein. Ok, nickel. Là, Jumper, tu bouges plus. Okay. Ils vont faire une ouverture sur ta droite. Les pompiers, enfin, avec nous. Mes collègues. Porte midi fermée. Ok. La porte des toilettes femmes fermée. Ok. Elle commence à avancer. Ok, là vas-y Jumper, fais ton ouverture là. Mets-toi main courante à gauche, voilà, nickel. Et la porte des toilettes hommes est fermée aussi. Ok, nickel. Du coup, toutes les portes sont fermées, c'est ça ? Toutes les portes sont fermées, fille. Ok, Jumper, tu fais un bond de 10 mètres, tu vas te coller face midi à la porte. Bien après. Et Baizu, du coup, pareil, première porte, tu vas te coller et comme ça, en fait, on va fermer les portes. Ok, vas-y, mets-toi devant au cas où, je vais fermer la porte de midi. Attends, colle-toi bien à la porte parce qu'on peut plus passer, Baizu.
Ok, nickel. Tiens, il y en a un qui peut prendre la porte, la deuxième porte, poulet. Enfin, il y en a un qui peut prendre la deuxième porte, là, à ma gauche. Ouais, je la prends. T'as des wedge derrière moi? C'est... Ok, je wedge. C'est bon, ça a été wedge, non? Il a pas fait... Non, j'ai pas wedge. J'ai pas le wedge, sorry les poulets, c'est vraiment moi. J'en ai plus non plus. Ok, c'est bon, tant cri, Grumpy va faire les deux. Ok, c'est bon, j'ai fait les trois. Les trois portes là sont wedge. Ok, nickel, impeccable. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, on peut déjà faire les toilettes, one by one. C'est ça. En commençant par toilette meuf, là. Ok, du coup. Pas de piège à la porte, pareil, là j'ai un espace, je vois pas de pied qui dépasse. Ok, je vais en wedge. Je le fais. Attends, tu... bon, je suis bloqué. Hop, pardon. Hop, je pique, à 3 tu rentres. 1, 2, 3, go. Ouais, nickel, on peut déjà commencer par aller sur le deuxième. Ok, tac. Pas de piège. Hop, pareil, pas de pied qui dépasse. Hop. John wedge. Ok, nickel. Un mec qui se met derrière jumper. Ok, ou j'y vais. Ouais, je pique, à 3 vous rentrez. Hop, je pique. 1, 2, 3, hop, go. Rasse. Bien. Nickel. Ok, du coup, là je check. Ok, pas de piège à la porte. La porte des breakers, elle est fermée. À notre droite, du coup, on a toujours bah, du coup, l'arche qui est open. Et à gauche, j'ai pas de visuel. Et face à nous, c'est un mur plein. Là, c'est le couloir hanté, là, Six. Oui, d'accord, ok. Bon, bah, déjà, le premier truc qui peut être fait, là, les deux personnes, du coup, Baizu plus Dany, excuse-moi. Vous ouvrez la porte qui est derrière vous là, faites gaffe toujours à l'extérieur. Celle-là elle peut être unwedgée, elle donne vers l'extérieur. Vous jouez le breaker, vous nous dites ce qui se passe. Bah Grumpy va avec eux puisqu'ils auront pas l'opti. Grumpy, main courante gauche, XT. Grumpy t'es mute ou t'as plus envie de me parler? C'est possible. Mute. Ok. Moi je pense qu'il a plus envie de me parler. Mais là vous m'entendez. Ah merde, ah, c'est bon, mute. Ok. Putain. Main courante à gauche et vous jouez le breaker ensemble. Ouais. Hop, et nous on discute. On est d'accord que nous on pouvait, face midi, ouvrir notre porte là. Afi. Ok, d'accord. Et la porte du breaker était fermée. Afi. Ok. Du coup, là, breaker, du coup, face midi fermée. Porte à droite fermée aussi. Il n'y a pas de piège, on peut rentrer. Juste pour la porte du breaker si ça sort. Je push. Vas-y, hop, ça rentre. Ok, je wedge la porte là, poulet. Vas-y. Tu peux jouer. Nickel, la porte du breaker, on y est, nous, on la regarde. T'as même pas besoin de la T'as pas besoin de la wedge, non, on est derrière. Celle de droite, vous la wedgez, et tu peux opti directement la porte en face de toi, de nous donner de l'info, comment dire. Ouais. S'il y a pas d'info, du coup, enfin si t'as strictement rien, du coup le jumper va commencer à ouvrir sa ligne. Il y a du pax. Alors face midi à 10 mètres. N'ouvre pas du coup le jumper. On a un civil et un pax et demi juste derrière le civil. Ok, très bien. Du coup je smoke les gars. Si ça tous, vous ouvrez, vous jouez pas, vous décalez pas. Le but du jeu c'est de les faire venir dans le breaker, ok? Ok. C'est bon tout le monde grump? Ouais. Affi. Ok, très bien. Ça smoke. Par rapport aux infos que tu m'as données. Un peu plus loin la smoke si tu peux, Six. Ok. Ça tous. Vas-y, ouvrez les gars. Oh. Et essayez de les faire venir vers nous. Jumper, tu peux le décaler légèrement, ma courante à gauche. Ok. Tranquille. Moi je vais prendre l'arche. Avance un peu à 1 mètre, okay. Jumper. Oui, ça c'est l'arche. Okay, ouais. J'ai la ligne. Elle est chiante celle-là, donc faut vraiment pas mourir là-dessus. Ça donne quoi les bonhommes là? Parlez-nous les gars, vous nous parlez pas des masses. Civil, hein. Civil au sol, on n'a pas le pack sur style. Hein. Je l'ai fait le civil vient vers nous, le civil vient vers nous. Ok, il peut être dans le T lui, ça va surgir. Balancez une autre smoke les gars. J'envoie. Oh putain, il recharge le con. C'est elle qui tousse, hein. C'est elle qui tousse, sa fille. Oh, mais il y a Echo derrière aussi, il y en a un autre qui tousse. Négatif. Ah bon? Là, il y a quelqu'un qui tousse, là.
Merci à Madai pour les 19 mois. Linko Scorpion, vous êtes, Linkso, vous êtes des monstres. Merci Kraft pour les 10 mois. Merci tout le monde, vous êtes des monstres, les gars. Ok, faites l'avenir toujours, Morissette là. On peut pas, on attend. La ok, okay attends pour moi, excuse-moi. Non, t'inquiète. C'est bon. Elle arrive. J'ai peu. Du écho son. À notre droite, c'est sûrement à notre droite. J'envoie, j'entends derrière elle. Écosson à gauche, écosson à gauche. Ok, j'ai peur encore, je vais balancer une smoke. Elle a pas un peu loin, je pense. Tu la laisses passer. Ouais. Vas-y. Je me mets devant, si tu peux l'interpeller. Et elle sort là direct, pas qu'il y ait l'autre qui déboule et qui met des balles. Ah, j'ai peur. Elle est sortie direct, elle ? Ouais. Une fois qu'elle est sortie, du coup, qui est-ce qui a le shield ? C'est toi, Baizou ? C'est moi. Faudrait okay, que tu mettes main courante à droite. Non. Denis, Denis, reste avec Baizou, gardez les lignes. Là, ça peut péter à tout le moment dès qu'il va vouloir nous décaler. L'autre, décroche carrément. Grumpy va nous donner l'information sur le 90, toi. À partir du. Avec l'opti. Au niveau de la pièce, au niveau de la porte principale. En face du bip bip, tu vois ? Dans le main, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Dis-nous s'il est dans le renforcement, ce trou du cul, là. Après, moi, là, je peux balancer une fille par-dessus la pièce. Actuellement, il est dans le renforcement, ouais. Ok, il est, super. Il est 10 mètres devant, enfin 5 mètres devant moi, ouais. Ok. Il bouge pas ? Il bouge pas, non, il est vraiment derrière. En fait, là, je sais pas si t'as visuel Six là, du truc là, ta gauche qui touche plus la peau. Et bah, il est juste derrière. Mais je vois un truc en fait, je sais pas, c'était lui que je voyais tout à l'heure là. Je vais essayer de lui péter un truc dans le plafond, lui. Ok, on va lui faire, on va voir okay, si. Ok, je te dis s'il est touché. Aïe. Négatif ? Ouais, pas négatif. Touché, je crois. Tu veux que je m'avance un peu ou ça va ? Après, moi, je peux le smoke là par-dessus, hein. Ah. Il est touché. Touché. Vas-y bah ouvre et je viens avec toi. Ouvre et push. Il est au sol, nice. Putain, je vois son nom. Move to the sound of my voice. Il vient. Tu le gères, mon poulet ? Ou tu gères la porte ? Gère la porte. Vas-y, prends-le. Ça parle dans le serveur. Hein. Tranquille. One by one. Ok, enlève-le de l'axe de la porte. Je l'enlève de l'axe de la porte. Ouais, je vais fermer derrière nous parce que ça me... Ouais, ça... Ok. Ça me gêne d'avoir la porte ouverte derrière nous. Ouais, les courants d'air. Non. Attention à l'arche, hein, ça peut débouler à tout moment là, avec les voix. Ouais, bah, Zou, les voix okay, que t'entends, c'est, ouais, c'est vraiment on notre réouvre droite, du coup ouais. Donc c'est derrière nous plutôt. Ouais, c'est dans le main server, pas dans le serveur. Ok, jumper. Attends, je passe du coup. Attends, j'ai peur un peu. Je passe. Et jumper, gauche, décroche et viens avec. Décroche, poulet. Décroche. Et viens directement pour aider la progression sur Grumpy. Ok. Ouais. Les gars, vous pouvez faire main courante à droite, d'accord ? Commencez tranquillement, Baizou plus Denis. Dani, main courante à droite, en avant. Mets-toi collé au truc à gauche là, le truc bleu. Ok. D'accord. Il y a la porte, il y a une porte à 11h. Ouais, il y a une porte ça, à 11h. Ok, c'est ça qu'il faut gérer. Ok. Et là, ça va être chaud parce qu'on s'expose au serveur. Ouais. Après, si vous l'avez, moi je peux prendre la place et je protège le serveur. Hein. Il va pas m'avoir depuis négatif, la passerelle. Je vois pas à quoi elle ressemble là. Hein. Je vois pas à quoi ça ressemble la porte à 11h là, les gars. Grumpy, Jumper, vous parlez pas assez, les gars. En gros, l'arche elle donne direct sur la porte. C'est ça. Ils peuvent avoir une ligne depuis l'intérieur de l'arche de la pièce. Elle peut pas être jouable du coup ?
Si, mais faut qu'on ait un. Ok. Comme disait Baizou, qu'un shield de se mettre à la place. Essaye de prendre l'info sur l'arche, Baizou, mais gentiment, debout, en restant debout. Hein. J'ouvre la porte derrière vous, poulet. Bah, y a une porte à mes midi à l'arche. Ah, là, qui donne dans marqué. L'intérieur du serveur. Ah non? Non, c'est juste une paroi, c'est juste non. Une paroi. Non, la porte elle est à 11. Ok, j'ai rien. Reste debout, poulet. J'ai rien du tout. Putain, c'est la merde de fou hein, ici. J'ai une porte à mes 11h qui donne dans le serveur, derrière les vitres. Jumper, si tu viens te mettre au niveau du carré gauche là. Yes. Au niveau du corner, please. Ça tire intérieur, stop, on désengage. Stop, on désengage. Ils ont buté un civil, je crois. Ouais, non, non. Négatif. Si, ils ont buté un. Si. Si, ils ont buté un civil. Comment tu sais? C'est sur nous, on désengage, on désengage, on désengage. Je joue, t'inquiète, je recule en même temps. Je vois plus rien, mon shield il est complètement obstrué. Je vais lancer une. Reste là, reste là, Jumper. Ouais, mettez-vous au niveau de la porte. Accroupite. Vas-y, Jumper, tu peux reculer. Mais tu peux même venir dans le Breakers. En attendant qu'ils arrivent. Ouais. Je vois plus rien du tout là, mon shield il est. Tu es sur votre gauche, je suis revenu au niveau des toilettes. Et on va refermer ici parce que ça sert à rien de. En fait, on pourra rien faire, ils ont un visuel direct sur nous. Donc mais si, Non, 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 pas vous, pas vous, pas vous, tranquille, attends, deux secondes là. Ça part dans tous les sens, les gars, vous, Baizou et Denis, vous restez exactement où vous êtes. Ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, donc du coup, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de. Unwedger la porte, du coup, et on refait exactement la même chose. Ils n'ont pas de visuel sur nous, ils ont un visuel sur eux au final. D'accord ? Ce qui veut dire, Jumper, tu peux exactement faire le move que je t'ai fait tout à l'heure, que je t'ai demandé de faire tout à l'heure. Tu vas te mettre au niveau du coin de la porte, ok, okay. Au niveau du coin du mur, d'accord. Et derrière, je joue le truc qui est derrière toi. D'accord. Ok. Pour Jumper, tu bouges plus d'un iota. On joue tous les deux. Au petit one de la porte, s'il te plaît, Grumpy. Ouais. Ok. Il n'y a pas de piège. On s'en fout. C'est pour toi que tu te parles là. Donc s'il n'y a rien, tu y vas. Ok. Unlock la porte. C'est rien, c'est clear. Attends, je unlock. Ok, hop, je pique, hop, je rentre. Ok, c'est rince. Rince, la c'est rince. Ok, très bien. Du coup, mets la porte de l'autre côté d'ailleurs, elle nous servira celle-là. Et du coup, on va jouer à partir d'ici, le serveur. C'est bon, il va pas nous casser les couilles, au moins on attaque par le même endroit et par le même côté, d'accord. Ce qui veut dire qu'il va falloir balancer du stuff à l'intérieur. Ce que tu peux faire déjà, Jumper à la limite. Jumper, on va rester là, exactement là où on est. Je vais prendre ta place, Grumpy, tu désengages, tu te barres et tu vas jouer la porte du serveur sur le côté. Info, écosson. À l'intérieur, à l'arche. Oui. Le côté à gauche. Ouais, va jouer à côté, le côté gauche du serveur, en bas de l'escalier, dans le couloir, tu vois. Ouais. Baizou, si tu veux avancer sur les conseils de Denis, puisqu'on va taper l'arche de toute façon. Tu t'arrêtes à l'angle du canapé orange là. Mais tranquillement, gentiment, parce que lui il doit avoir une ligne profonde en fait, à l'intérieur du serveur sur vous, je pense. Je vais essayer de prendre l'info. J'ai un angle tout au fond de la pièce et je vois rien là. Mais c'est là qu'il m'a tiré dessus le mec, il doit être dedans, dans la porte. Je l'entends, hein, j'ai entendu un écosson encore là. Ouais. Moi je vois plus rien, mon shield il est. Ok, on l'a entendu ça, Baizou poulet. Ouais. Du coup, essaye de se balancer une smoke long, Danny, si tu peux. J'arrive, moi qui arrive en face de vous, Danny et Baizou. Ok. Oh, c'est moi, pas en face de vous, on n'a pas besoin de toi en face. Ok, Jumper, bouge pas, t'es seul tout. Grumpy, garde la ligne pour le moment, c'était pas celle-là, c'est l'autre porte que je veux que t'ailles jouer, poulet. De celle qui donne dans le serveur, excuse-moi, c'était peut-être pas très clair, Grumpy. Ok. En bas de l'escalier. En bas de l'escalier. Mais moi je te remplace, n'y va pas là pour le moment. En bas de l'escalier. Ok, merci Grumpy. D'accord, vas-y. Grumpy, barre-toi, c'est bon. Jumper, tu peux faire en crabe à gauche et venir me faire symétrique par rapport à Baizou là. Regarde, reste sur moi, fais gaffe, il peut y avoir du monde en face. Voilà, super. Ok, sur ma porte, j'ai pas de piège. Je suis en train de regarder là. Normalement, tu peux avoir un contact à droite. C'est lui qui devrait nous faire chier, je pense. Ah, mais il y a la passerelle en haut. Putain, j'ai oublié. Je vois rien.
Je ne vois rien du tout. Putain. J'essaie de... Ok, vous restez là, Baizou et Denis, vous allez rester là un petit moment. Jumper, tu désengages, recule. Ok, il est recule. Face à moi, il est à mes midis en Jumper, fait. Jumper, désengage, debout, non. Désengage debout et recule, poulet. Est-ce qu'il est en plein milieu, genre dans les vitres ou à l'extérieur? Non, négatif, il est à l'extérieur. En fait, en face de toi. Vous avez une première entrée là, quand vous arrivez, vous avez un couloir qui part à droite, à gauche. Il est carrément au fond, de l'autre côté de vous, en fait. Il est derrière les serveurs, en fait. Oui. D'accord, donc il est aux 3h là? Face à moi, en fait là il est face à mes midis. Mais c'est fond. Peut-être pas que lui, hein, parce que c'est pas lui qui a tiré, ouais. Qui a tiré, oui, qui non, mais j'ai le pack que je vois, il est à midi. Ok, très bien, mais la question c'est de savoir, est-ce que j'ai à pas 3 heures, visuel. Est-ce qu'à 3h il peut y avoir une possibilité qu'il y ait un mec que tu vois pas? Il peut, c'est possible, oui, parce que ça fait un long couloir et j'ai pas de visuel sur ce qu'il y a à droite. Ok, mais bien sûr qu'il y en a, parce que moi j'ai dû prendre des balles de là-bas, il y a que l'angle là qui a pu m'avoir. Ok, du coup Jumper s'il te plaît, tu peux te mettre juste devant moi, debout? Oui. Nickel. Et tu peux ouvrir Grumpy, le mec qui va être en face de toi là. Il est face 11h, c'est ça? Face C'est ça. Il est à direct, il est à tes 10h. Ouais, non mais pour toi, il est à 11h ou pas? Là pour moi, il sera du coup il sera à même midi, mais je pourrais pas le toucher en fait d'ici. En fait, il est au fond vraiment à droite, enfin à gauche, tu au fond veux que j'avance, à gauche, de la pièce. Bien, ouais, s'il te plaît. Au niveau de l'escabeau. Ouais. Mais doucement les gars. Oui. Non, t'inquiète. Sais pas si les vitres, en fait, il peut vous traverser à travers les vitres. Merci. Mais en gros, moi, je pourrais pas le tout l'atteindre d'ici, quoi. Parce qu'il est vraiment au fond de la pièce. Moi, je peux tenter de lancer une fumée en plein milieu. Ouais, tu peux tenter. Grumpy, à la limite. Ce que je veux, check s'il y a pas des pièges là. Il y a pas de pièges. Ok. Tu peux pique la porte et ouvrir la porte en dry, mais fais gaffe à ce qu'il y a à une heure en face de toi. Moi, je réponds de rien par rapport à ce que au mec dont tu me parlais tout à l'heure. Monsieur. Baizu, tu vas te mettre au niveau de la porte à droite, mais tu prends pas de visuel. Ne la bouge pas la porte. C'est juste pour que je puisse lancer la fumée. Vas-y, ouvre la porte et fais gaffe à toi. Voilà, parfait. Ça t'a vu, hein. Ça, c'était pour toi, ça. Ouais. Je vais balancer une smoke en croisée. De là où ça vous tirait tout à l'heure, les gars. Elle est partie loin dans le... 3 heures. Ouais. Okay. C'est pour vous aider, les gars, là, Baizu. Nickel, elle est propre. Ouais. Voilà. Ok, ça touche pas. Et Grumpy, fais-en une en croisée. J'ai plus de smoke, moi. Ok, ah oui, d'accord, ça, j'avais pas cette info. Attends, je smoke dans le serveur. Smoke dans le serveur. Moi, je vais en mettre une en haut. Parfait. J'entends un écho-son à gauche. J'ai plus de smoke non plus. Il en reste combien, Baizu? J'ai encore 8. Ok, rebalance-en une en. Mets-toi au niveau de la porte accroupie, Jumper. À ta droite. Porte accroupie. Nice. Parfait, elle est parfaite. Je vais tirer au-dessus là-bas. J'ai peur, mais bon. J'ai plus rien du tout. Ok, donc on sait Bazook à notre droite, c'est safe pour l'instant. Ouais. Au contact, hein, je parle. Ouais. Au contact à votre gauche, vous avez rien du tout aussi, normalement. Hein. Ouais. Dans le coin, on est d'accord, il n'y a plus rien à gauche. Bon, donc c'est le couloir 90 de nous à vous, c'est clair. Ouais, non, absolument. Jumper, le problème ne peut être qu'au final à 11h maintenant. Yes. Ouais, donc, ça. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire Grumpy, ce que tu peux. Déjà, la passerelle, va la gérer tout seul, mon poulet. Ok? Va au petit, la passerelle tout seul pour prendre une info sur la passerelle. Juste la passerelle. Donc faut que tu ressortes XT et que t'ailles checker la passerelle. Fond, okay. Excuse-moi, ouais. On va appeler ça le balcon, le truc au-dessus là, d'accord? Là où il y a les fenêtres, et la passerelle c'est la passerelle. Ok. Parce que eux, ça va être horrible pour eux s'ils veulent rentrer. Jumper, normalement tu peux te mettre dans le prolongement... Ah ouais, d'accord, ok. Tu peux venir couper l'angle qui est devant là. Yes. Maintenant. Dans le prolongement de la porte. Ok, maintenant? Ouais, t'avances de 50 cm, c'est tout quoi. Tranquille. Fais gaffe, stop. C'est quoi qui court là? C'est toi? C'est moi, sûrement, okay. Au-dessus. Ah ouais, putain, la vache, non. Elle fait peur, ce fils de pute. Ok, Baizu, tu vas passer à gauche de la porte pour prendre un visuel du coin à notre droite. Ok, et après? Et si tu te fais tirer dessus, tu reviens sur position initiale. Je traverse en même temps, toi. Ouais, t'es mes yeux. Doucement la passerelle, les gars.
Je sais pas ce que... Ok, j'ai un peu peur pour vous, d'accord. Ok, je suis en train de regarder. Au-dessus de vous, directement, il y a personne sur la passerelle. En tout cas, à 5 mètres de la porte. Il y a personne. Il est peut-être dans le coin de mur où il était le... Enfin, avant, là. Dans le coin, j'ai pas visuel dessus. Je vois rien. Soit il est sur le coin de mur, soit il est passé balcon. Nous, Baizou, il peut tenter... parce que nous, on a un serveur qui nous bloque, du coup, nos midis. Ouais. On peut tenter de lancer une fumée bien au fond de la pièce. J'ai visuel sur le pax. Okay. Ok, il est exactement 6 à vos 11h au fond de la pièce. Il est vraiment sous l'escalier, en fait. Sous l'escalier, bon call. Normalement, sous l'escalier. T'as passerelle, okay. Il est Potter. Ça marche? Non, c'est moi. Ah. Elle est bonne, la smoke, ou pas? Elle est sur la passerelle, Non, mais il nous en faut une, du coup... Oh, putain. Non, mais vous... Allez, au niveau de l'escalier, les gars. Oui, on a compris. Oui, il est en rebond, mais on peut pas. Non, t'inquiète. On peut pas. Ok, ça marche. Du coup, bougez pas, les gars. Et tu viens switcher avec moi, Danny. Viens, Danny. Let's go. Passe la porte derrière toi, Ouais, celle-là. Main courante droite. Ok, sur ma ligne, du coup. D'accord, ouais. Sur ma ligne. Là, fais gaffe. C'est là-bas qu'il est, d'accord? Je décroche. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, bah c'est bon, t'as c'est bien ce qui me semblait, mais nous on pouvait pas. Ouais, t'inquiète. Ah, mais. Ouais, attends. Sur la passerelle de. Ah oui, Grumpy, ouais, t'as la passerelle. Y'a rien. On est d'accord, y'a rien. J'ai la passerelle, y'a rien à la passerelle. Ok, ça marche. Et la porte de la passerelle, elle est fermée. J'ai plus de smoke, plus rien du tout. J'en ai 5 des smokes et balance en une au niveau du truc blanc là-bas. Voilà. Non, elle a rebondi comme une merde. Elle l'a pas touché. Au niveau du truc blanc. Ouais, mais là elle a tapé dans le corner à gauche là. Voilà, comme ça elle est un peu mieux. Ok. Avec des smokes, on l'aura pas. On va y aller au niveau du corner, d'accord? Mais fais gaffe, va te mettre là debout là. Gauche, regarde dans le serveur s'il te plaît, le danger est aussi dans le serveur. Je vois rien du tout, j'ai pas de... Vous touchez pas, là, on a vraiment plus de visuel. Ouais, j'ai plus de visuel. Avec Despo qu'on l'aura pas. Ouais, je crois que j'ai quelqu'un qui est Delta Charlie Delta dans le serveur, hein. Sur ma lampe. Je sais pas si vous le voyez, vous les gars. Moi, sur ta cam, on le voit pas, mais c'est le civil qu'ils ont tué à mon avis. Ouais, putain. Ok, Baizou. Ouais, non, attends, deux secondes. Baizou, tu vas faire une main courante à gauche s'il te plaît. Voilà, et jusqu'à... Attends, Rock, il est à l'intérieur, c'est ce que je t'ai dit, dans le serveur, ça passe à travers, nom de Dieu. Il arrive sur vous, Le problème, c'est le serveur, s'il vous plaît. Recule. Recule au niveau de la porte. Ça arrive sur vous, Danny. Je dois me sauver. Soigne-toi, tu es en bataille, soigne-toi. Ils sont partis sur Jumper et Danny, là. Deux sur Jumper et Danny. Smoke à donf, on s'en bat les couilles. Smoke à droite, smoke dans le serveur, Baizou. Il est toujours sous l'escalier, le Pax. D'accord. Il y en a deux qui sont rendus. Essaye de smoker à l'intérieur du serveur, Baizou. Ouais. La smoke est toujours pas bonne. Ça tousse dans le serveur. Ok. J'ai smoke dans le couloir aussi, au cas où. S'il est sorti de l'autre côté. Baizou, essaie de refaire ce que t'as fait, mais fais gaffe avec le data center là, dans le data center, ok. Essaye de l'appeler. Et mets une smoke loin pour qu'elle tape Harry Potter. Allez, avance. Bah, avance en crabe. Et va balancer une smoke loin sur la passerelle pour qu'elle tape Harry Potter, voilà, au fond. Ok. Y'a un mec qui s'est. Il s'est rendu, ouais. Ok, recommence à reculer, je l'ai en visu. À gauche. Assieds-toi. Ok, rappelle-le. Tu l'as en visu, ok. Ouais. Mais c'est pas, c'est un civil ça. Ah ouais, c'est un civil, ouais. Le mec Harry Potter, je sais pas où il est, moi. Il a bougé. Je peux smoke. Vas-y, smoke sur Danny. J'ai plus de smoke. J'ai balancé la dernière. Ok, garde ta ligne avec une arme, Baizou. Stop avec le shield. Ok. Chaque fois, je perds le mot, mais t'as compris quoi, puis voilà. Donc nous on en a sécurisé un là. Ok, moi j'ai un civil femelle dans le... Okay. Il en manque un. Il y a deux passes qui ont été sur Danny et Jumper. Afi, il y en a encore un sur nous qui est rendu, mais je pense pas qu'on va pouvoir l'appeler parce qu'il est à moitié dans le serveur, à moitié dans le couloir. J'ai un visuel sur lui, mais je pourrais rien faire en fait.
Je suis à l'intérieur du data center. Ouais, je sais pas si vous voyez ma lampe qui clignote. Si, ouais, je le vois, ouais. Il est par là. J'suis en fait, il est à l'entrée des vitres. Je peux peut-être essayer de te le marquer sur carte. Toi. Parfait. Ok. En gros, il est là. Ah, en fait, il est dans la porte du serveur room. Ok, je vais essayer d'y aller parce que en m'aidant du serveur, du coup. Je prends pas de danger. Réexplique-moi, mon poulet. Regarde, je regarde ta cam. Tu le vois là sur moi ou pas sur ma Ok, mais j'imagine. Non, mais j'imagine où il est. Ok. Il est rendu ? Oui, il est rendu, mais en fait, on peut. Bien pris, bien pris. On peut rien faire. Ok, ok, bien pris. J'ai vu, ok. J'ai. Ouais, je vois, j'ai vu ta lampe. Vu, effectivement. J'ai un civil down. Ouais. Ok, je m'occupe du. Je restreins le civil. Non, on n'aura pas de S. On s'en fout, c'est pareil. C'est pas nous qui le tuons. Toi, c'est débile. J'ai peur vu qu'ils ont avancé avant jusqu'au serveur en face de toi. Sur moi, il s'est relevé, c'est bon, je l'ai géré. Il a buté le civil. Parce que t'as. Ok, ok. Ah non, non, c'est bon. Vraiment au niveau du serveur là, à gauche. Ok, stop, 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 stop. Serveur, jumper, jumper, jumper. Jumper plus, décrochez tous les deux. Jumper ouais. Plus Danny, vous décrochez tous les deux. Vous passez au niveau du balcon maintenant. Ah, ok. Comment dire, Non, là tu fermes. Attends. Ah, mais... Grumpy, ouvre la passerelle. Grumpy, ouvre la passerelle. Oui, toi t'as pas besoin de bouger, Bayzou. Vas-y. Ok. Vas-y, ouvre là. Bah ouais, mais t'es devant, non? Ouais. Vas-y. Voilà. Alors, attention, attention, on sait pas ce qu'il y a au niveau du balcon. Moi, j'ai pas d'infos sur le balcon. Grumpy, faut que tu restes au niveau de la passerelle, d'accord? Ok, c'est fait. Tu l'as ouverte ou pas la passerelle? Affi. Ok. Un visuel avant. Normalement, avec la ligne que Baizoui a, normalement, quand ils vont commencer à avancer. En fonction des informations que tu vas avoir sur la caméra de Danny, tu t'adaptes, comment dire, Grumpy, pour avancer sur la passerelle. Normalement, il n'y a rien, à part la pièce d'en face de toi, du coup. Jumper, je suis à fil. Vous faites une avancée tranquille, main courante à gauche, les gars, passerelle. Vas-y. Balcon. Alors, fais gaffe, faut vite. Normalement, c'est safe, mais... Ouais. Ok, porte ouverte à nos midi. Midi. Je prends l'info sur celle de gauche. Porte open à gauche. À 10h. Ok. Ok, ça parle, ça parle. Ça peut sortir à tout moment. Je sais pas si c'est un civil, on a plus rien, on a plus de smoke, on a plus. Moi j'ai 5 smoke, mais c'est compliqué. Oh. T'as 5 smoke? Ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas balancer à la porte à midi. Pardon? Tu vas lancer une smoke midi. Ok, attends, je désengage. Oh là là, c'est. Ok, la ligne. Vous l'avez compris du coup, le but du jeu, c'est que vous avancez au niveau du balcon. Baizou, tu gardes la ligne pour éviter qu'il y ait un mec qui passe du main server vers le serveur là où on est, ok? Et Baizou, du coup, comment dire, Grumpy, ça te permet normalement d'avancer tranquillement sur la passerelle. Attention, face midi, Baizou. Grumpy, n'hésite pas à lancer loin, t'inquiète. C'est vraiment. Ok, nickel, nickel, ça me permet d'avancer, moi. Il est en train d'avancer. Et moi, je vais avancer au niveau de la. Deuxième, tu vas au niveau de la porte et tu la fermes. Baizou, du coup. J'arrive, je ferme la porte. Ok, ouais. Ferme la porte à ta gauche, jumper. Je la wedge. Là, t'es à ma gauche. Ouais, ouais, je suis dans le data center. Et j'essaie de regarder à l'intérieur de la porte que t'es en train de regarder. Ok, parfait. Fermé. Tu peux l'unwedge. Ça ou peut pas tirer. Ouais. Vas-y, je te cover. Y'a Steven sous l'escalier, c'est que je fais gaffe. Bien pris, bien pris. C'est lui que je veux aller jouer en fait. Ok. Ok, reprends la place à Grumpy. C'est moi la lampe, je vais allumer la lampe pour que tu me vois, ok? Ouais, Fiafi, t'es en face de moi. Ok, bien pris. Je suis sur ta cam. Ouais, ouais, j'ai vu. Move towards me. Il va bouger. Ok, Danny, on a un pack hostile à droite là. Ok. Il est derrière le mur ici. Et je le dégage. Sans smoke pour prendre le main server là. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai plus 3 smoke. Ça donne quoi pour vous en haut les gars? Grumpy, tu peux prendre le lead sur ce truc hein. Nous y'a un mec, on peut gérer tranquille sans même sans smoke. Ok, pour nous les portes sont wedge. On va pouvoir attaquer la petite pièce là, admin. Pardon, Jumper, tu peux revenir sur moi, poulet. Tu peux te mettre à gauche de la porte. Ok.
Alors, là, face à moi, j'ai un gros, un énorme bureau. Bazou fait la même chose que moi, Pax, en symétrique. Pax ennemi à nos 3 heures. Direct quand on rentre, il est à 3, il est dans la deuxième pièce. Il est passé dans la deuxième pièce maintenant. Okay, là, on a un timing, si on veut y aller, c'est maintenant le timing. Allez-y. Le tu piques, hop. Moi je prends la ligne avec Jumper. Ouais, je pique. Okay, j'ai pas de visuel sur lui. Ok, j'ouvre. Ok. Quand vous voulez, vous rentrez face midi. À gauche, c'est clair. Vous avez pas besoin de checker. Attends, non, on bouge pas. Il y a un mec en face de moi. Okay. Bah, c'est lui. Ok. Ok, il serait. Tu t'es rendu, appelle-le. Je recule le 6 parce qu'à la fenêtre, il peut me voir, moi. Bien pris. Appelle le Jumper. C'est fait. Ah, ok, il arrive. Okay. Je l'ai en visu. Moi, j'ai votre gauche. Vous avez pas besoin de checker. Ouais, pas de soucis, ok. Ok, commence à reculer, Jumper, que je puisse, s'il se lève au moins, je peux, voilà. Bouge pas. Rappelle-le. Ok, nickel. Je ferme la porte pour qu'on puisse se jouer tranquille. Écho son à l'intérieur du serveur, j'ai l'impression. Vas-y, Grumpy. Vas-y, tu coiffes l'objectif. Ok, parfait. Nickel. Vous êtes des monstres, les mecs. Ok, je le dégage. Ok, regardez, prenez deux petites secondes pour prendre l'info sur Baizu et moi, comprendre ce qu'on est en train de faire, ok? On n'a pas encore fini, il reste encore une pièce sur nous. Ouais, je sais, mais c'est juste que vous compreniez, okay. Du coup, avant d'y aller, du coup, et de vous retrouver en plein milieu d'un truc. De comprendre que nous, on est juste là pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui sorte au niveau de l'arche du main server vers le serveur où on est à l'heure actuelle. Ok, ouais, okay. J'ai visuel sur le cas. Donc moi je sais pas, moi, parce que le problème, pourquoi je te dis ça? Parce que je sais pas ce qui se passe au niveau du balcon, je sais pas ce qu'il a en face de Baizu au premier étage, j'en ai aucune idée en fait. Ouais, la fille. Ouais, moi non plus je sais pas, mais je sais qu'il y a des windows et qu'il peut me voir si je m'approche trop. Ouais, t'inquiète. Bah, on va s'en occuper là, on va sécuriser. Ouais. Ok, je pique. Ok, RS. Ouais, j'open, vous pouvez rentrer tous les deux face midi à vous. Vous longez main courante à droite et moi je rentre sur votre gauche. Allez, go. Ok, RS à gauche. Je remplace la porte. Ma fille. Ok. J'arrive sur la gauche de la porte. Voilà. Ok, on n'a pas d'infos. Là, on refait la même chose. Jumper et Danny, vous rentrez main courante à gauche. Moi, je rentre main courante à droite. Bien pris. Ok, quand vous voulez. Jumper, c'est toi qui va. Top. Que okay, vous donnez pas trop parce qu'il y a une porte avec une baie vitrée là. Okay. Je viens bloquer la baie vitrée. Okay, ah ouais, c'est de deux côtés. Et du coup, tu vois quelque chose là? Bloque la baie vitrée à gauche surtout. Négatif. À droite, c'est normalement c'est sécu. Ok, y a pas de civil, y a rien. Mais cosson, on se remet 3 heures, mais je sais pas c'est quoi. On prend le temps. Je vais regarder sous la porte. Multiple écho dans le main server. Ouais, c'est ça. Ok, on a sur la gauche, on a un escalier descendant. J'ai pas de visuel sur du Pax. Du coup, c'est ce qui donne au-dessus de Baizu, là. Enfin, face à ses midis, quoi, au-dessus de lui. Techniquement, c'est ras pour l'instant. On va quand même rentrer. On va prendre le time. Voilà. Ok. Je vais pique. Mets-toi de l'autre côté, Jumper. Danny, pareil, tu te mets derrière Jumper. Dropping a light. Et là, comme on vient de faire, ok, bon, je unlock la porte. Comme on fait là depuis tout à l'heure, Jumper, quand t'es prêt, tu avances avec Danny derrière toi et moi je roule sur votre droite. Ok, je pique. Danny, tu veux que je me lève ou je reste accroupi? Non, lève-toi, ce sera bien. Okay. Quand tu veux aller être rapide, lève-toi en fait. Hein. Ok. Après, le problème c'est qu'il y a un escalier donc. Oui. J'open. Ouais. Jumper, quand et tu veux. Et top action. Ok. Bloque l'escalier. Okay, attention en dessous. RS. Ouais. Ah ouais. Il y a eu un écho son en dessous. Ça dégage. J'ai un mec, j'ai un civil. Vous avez fait bouger un civil. Ok. Bougez pas, les gars. Tranquille. Ouais, bien sûr. Je pense que je vais arriver. Il a pris un coup dans le mollet. Lui. Ça tire à l'intérieur. C'est pas sur moi. Je pense pas. Hein. C'est sur nous. Ok, bien pris. Fais gaffe, ça peut sortir à tout moment. Le civil, tu vas. Ah, il veut pas bouger. Il a peur. Ok. Ça va. Tu vas le voir, Baizu. Bouge pas, Baizu, bouge pas, tranquille. J'ai checké sous la porte. J'ai une ligne cassée sur la porte. Tu veux que je le fasse venir vers moi plutôt? Ok, face négatif, à nous, négatif. Les gars, il a déjà branché le truc là. Bah...
des serveurs, il y a pas de piège à la porte, on n'a pas de contact. Garde une ligne sur lui. Mais on faut quand même faire gaffe. Du coup, Danny, ouais, Nick, tu te mets de l'autre côté, s'il te plaît. Move over here. Je pique. Ok, vas-y. Je note. J'entends. Vous avez lancé une smoke? Négatif. Ah, j'entendais tout ça. Ok. Un civil traité. On attend un petit peu. Merci, si, vous êtes des monstres. Merci, Droots, vous êtes des monstres. Merci, Snags, vous êtes des monstres, les amis. Merci. Désolé, on est concentrés, on essaie de vous donner du meilleur. Un contenu un peu différent que d'habitude. J'espère que ça vous plaît. Et du coup, on est focus. Enfin, moi, je suis focus. Moi, je passe ma meilleure vie. Là. Un visuel sur un pack, ça, Danny? Négatif. Je vais faire un Jump. Ok. Jumper, quand t'es bon, t'enroules à gauche comme tout à l'heure. Et moi, j'enroule à droite. Ok. Danny, tu suis. T'as pas action. Ok. Je reviens, Baizou. Ok, pas fermé. RS pour nous. RS. Ok, nickel. Je vais checker. Et là, normalement, on devrait arriver dans la même pièce que vous. Enfin, pas dans la même pièce, compris, mais juste la pièce à côté de vous, quoi. Ok, là, Jumper, okay. Faire usage. Pour nous, il n'y a pas de piège. Pour la porte. Face midi, j'ai un. Ah, écosson sur un pack sur notre droite. Donc, ça veut dire qu'il serait à vos 10h, Six. Ouais, c'est bien ça. Pris, en face de Baizou. J'aurais un pack sur tes 10h. Ouais, j'ai vu où t'es. On va pouvoir le smoke, je pense. C'est ça. Du coup, là, en plus, la porte, elle est bien. On va pouvoir faire... On va pouvoir smoker. On fera faire gaffe quand on ouvre la porte. Jumper, tu te mets bien devant la porte parce qu'en fait, contact midi, ça peut arriver. Ok. Du coup... J'ai visuel sur le Pax. Il est vraiment à droite de notre porte. Quoi. Si vous pouvez le gérer de en mode porte. On le prélève, lui, ça me fait plaisir, moi. Parce qu'il y a eu un moment où on va devoir balancer du stuff et y aller comme des débiles dans le labyrinthe de Pan, là. Donc... Préviens-moi quand tu piques. Je vais piquer, je recule Jumper. Oh putain, c'est là, ils sont tous lock. Je prends la place de la porte. Affi, voilà, c'est ça. Je pique juste, hein. Tu pousses pas la porte, hein, Jumper. On va attendre, on va juste pique, histoire qu'il se montre ce trou du cul. Hein. Ok, j'ai pas de visuel. Okay. Ouais, il sera direct en face de toi, Daniel. Et Cosson en face de toi, Baizou, en fait. Hein. Ouais, bien pris. Je pense que parce que moi j'ai une caisse qui m'obstrue la vue, je sais pas si tu vois sur ma caméra, ouais, mais voir. Je pense qu'il est derrière. Jumper, mets-toi. Ah, il est là. C'est bon, Jumper? Ouais, c'est bon, c'est tout bon pour moi. Sois vigilant, Baizou. Ouais, je suis prêt. Là, 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 vigilant! Sur moi! Ok. T'es prêt, Jumper? Tu vas ouvrir la. Danny, la porte en grand. Ok, t'es prêt? Jumper, mets-toi face à la porte. Attends, je vais me mettre derrière Jumper. Je te fais confiance, il n'y a pas de piège. Oui, j'ai vu sur sa caméra, j'ai vu qu'il était. Sois vigilant! Oui, ok, quand tu veux, Danny, t'ouvres la porte. J'en ai marre. 1, ouverture. J'arrête ce jeu de merde. Ok. Allez, vous faire enculer. Faut pas leur faire confiance. Ok, là, pareil, on va pas avoir le choix. Jumper, t'enroules à gauche, Danny t'enroules avec lui et moi j'enroule à droite. On va pas avoir le choix. C'est bon pour vous. Et Baizou, quand t'es beau, toi pareil, il va falloir que tu rentres. Je peux pas, moi. Si je lâche le mec, il prend une arme, il me bute. Hein. Oh putain, c'est vrai. Mec, je suis de l'autre côté. Hein. Vas-y. Appelle le Ok, Danny, tu peux fermer la porte? Ah ouais. Ok, watch. Ah, ok. Watch la porte, je vais aller avec Baizou là pour prendre le Pax. Je l'appelle et je vais le traiter en espérant que... Ah bah si tu... Oh putain, mais je m'expose là comme un connard. Ça serait cool si t'arrives à le gérer tout seul, mais le problème c'est que tu te retrouves tout seul, t'as plus de ligne sur toi. Stay where you are. Ça, okay. Y en a un qui déboule là, je suis foutu. Ouais, je sais bien. Et le problème, c'est que même si je prenais le temps de faire le tour, j'aurais pas eu le time. Ouais, je m'exposais en plus aux fenêtres. Là. Vous êtes comment, vous? En fait, là, nous, on est prêt à rentrer. En fait, tu vois, à tes 3 heures. Ouais. On va rentrer au fond de la pièce. Mais vous êtes à mon étage, vous êtes pas au-dessus. Oui, on est au rez-de-chaussée, au même étage que toi. On est au même niveau que toi. N'oubliez pas, les amis, il y a 25% sur les subs en ce moment. Merci, Sissi, merci, Slinks. Merci, Droots. Donc en fait, on fait un étau. Les autres, vous êtes des rats. Techniquement. Merde. Ok, d'accord. Le mieux, c'est vrai que ça aurait été que je vienne avec toi, comme ça on est 2-2. Vas-y. Ok. Prenez le temps, les amis. J'ai pas envie de la refaire la mission. Matt, t'es un rat. Soraiseur, t'es un rat. Tu veux que je me mette de l'autre côté Elliot, t'es un putain de rat, en plus t'es un putain de prime, enculé. Ok. On essaye de coordonner le truc comme ça au moins. Vous êtes pas sympa, franchement. C'est un truc propre qu'on rentre tous en même temps. Alors que psychologiquement, vous vous rendez compte, je joue avec des débiles.
Le Pax qui a tué Six, c'est le mec que t'as report, ah, enfin, que t'as arrêté. Okay. Franchement, je pense qu'il est parti, le Pax. Non, il y a un Pax là. Je vois son... Non, c'est son arme, c'est quoi que je vois? J'hésite à m'abonner. Ok, non, c'est un serveur, c'est le serveur. Ok, Danny, je me mets sur ta cam. Écoute-moi bien, le prof de bio, pour t'appeler mitochondrie. Ok, quand vous êtes prêt, c'est toi, Jumper, qui donne je le top. Je vois du holy tu pour les top à tout le monde et on avance. Baizou, t'enroules à gauche, main courante à gauche, j'enroule à droite, main courante à droite. Baizou et Danny, la même chose. Oui. Okay. Ok. Chargeur, c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. La fille. Gumpy. La fille. Ok, 3, 2, 1, top action. Holy. Oh le bordel. Ouais bon, mais y'a pas le choix poulet. On a plus de smoke, on a plus rien gros. Bah si, il restait 3 smokes. Oui non mais à Jumper, c'est... mais... Ah, c'est tout là mec. Ok, rase de notre côté, rase... l'autre fond, l'autre moitié. On est de l'autre moitié. Ok. Je suis en plein milieu, je vous recolle sur vous là. Rase, rase. Je suis en plein milieu dans les serveurs, ok. Rase pour nous. Ok, rase. Ok, j'ai une porte moi là sur moi. Ici. J'ai la watch. Y'a pas le breakers normalement, on doit recoller au breakers là. Elle est où ta porte? Ah mais c'est le breaker, ouais ça doit être le breaker. T'es chiant là parce que... Oh, c'est horrible. Elle est déjà wedge en plus non? Non y'a rien ici. Putain mais les ouais, petits détails de ces maps et tout, moi wedge, ça me fait kiffer putain. Tu le vois watch toi? Ouais ouais. Oh je pourrais passer ma vie sur ce jeu. Vous êtes arrivé vous là, qu'il y a un pack très... Vous avez les détails, comment c'est propre, les maps et tout? Ouais bah c'est bon, on est... On est bon normalement là. Yep. Mais attends, on a tout traité là? Bah là maintenant non, il y a des trucs, faut aller checker les armes, mais techniquement on a checké toutes les pièces, oui. Ok. Putain, elle est okay. Tellement compliquée la map. Ah oh, j'avoue le data. Ok bon bah, le corps de 6-4 je l'ai reporte. Ouais. L'arme tu la reportes, j'ai vu que tu l'avais. Enfin elle a été récupérée. Non je l'ai pas faite. Tu l'as pas récup? Ok. Bah, je pense que les 6, ça doit si, être si, 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 c'est fait. Quelqu'un l'a fait. Ok. Ok, bah du coup, là, on va checker. On a du mal avec manque, nos factures, bon, Six. Ouais. Mais je m'en fous, moi, de vos factures, les gars, franchement. Je suis un streamer, est-ce que vous vous rendez bien civil, compte, les gars. Est-ce que ce qui compte dans ma vie, c'est report. De partir à Dubaï. Ouais, je crois qu'il a été report. Ma fille, je suis. Jeter un coup d'œil quand même. Ok. Je suis. Ok. Faut que je fasse un live caritatif. Ah non, elle est là la dame. Mais il y avait pas quelqu'un de décédé dans le. Si. Comme dit là le machin là. Bah, où je suis allé. Pile à ma position. L'autre côté du serveur. Hôtel. J'ai pas des pilules à vous vendre. Derrière ah ouais, serveur. Vache. Ah merde, putain. Ok. Oh putain, j'ai pas de pilules à vous vendre. Bah c'est un beau merdier hein, cette map. Et du coup est-ce que c'est pas comme d'habitude, vu que Six est mort, faut report ses lacrymos là? En tout cas ça me donnait rien. Non parce que faire. Ça c'est quand un mec quitte que ça les lacrymos c'est la déco, ouais. Mais ça va pas donner là, le S de toute façon mort. Donc c'est un S, c'est son corps c'est, et son c'est terminé, ils ont terminé. Mais on va avoir le même bug que la dernière fois, à savoir ça après, donnera pas de S parce qu'ils vont dire evident not find et civil mort. Qui soit tombé parce que par exemple quand un mec meurt avec le bouclier il a son... Oh ouais, non mais défoncez pas les portes comme ça, monde de fou. Quand il y a son, un mec qui meurt en bouclier, faut reporter son bouclier et ramasser son bouclier et son arme. L'intelligence artificielle est pas mal. Donc regarde, elle a été énormément travaillée, ce qui me fait un peu chier parce que bon, moi je suis vraiment dans une logique de coop. Donc je me dis putain, les développeurs ils ont dû passer un temps fou sur cette feature là. Et l'intelligence artificielle maintenant elle est assez incroyable quoi. Les mecs se mettent bien, ça avance, machin. Alors il y a toujours le fait d'utiliser le menu là qui est pas le truc le plus exceptionnel du monde. En fait, mais vous l'avez vu, le menu, je l'utilise moi pour, par exemple, la plupart du temps, on l'utilise quasiment systématiquement pour la même chose. C'est en mode faire venir un mec vers nous. En gros, on prélève un mec, il s'arrête, on le fait venir vers nous. Et en particulier, tu vois, on peut le faire retourner, d'accord, pour qu'il vienne vers nous. Pour du coup, au cas où il sorte un couteau ou une merde... Il est de dos et il est en train de venir vers nous. Il est pas, on s'expose pas pour aller le traiter et pour aller le neutraliser quoi. Ok. Le truc c'est que dans ce menu contextuel, il y a plein de trucs quoi. Un peu à la Rainbow Six Vegas, c'est-à-dire pas à la Rainbow Six 98-2000 avec une planification machin un peu à la Door Kickers, No Plan B pour ceux qui connaissent.
Mais c'est un menu contextuel que tu fais apparaître, enfin un menu que tu fais apparaître avec un déroulé, vider ça, flasher ça, etc. Visiblement, tout le monde me dit que c'est vraiment pas mal. Assez pour qu'on n'entende pas les gens s'en plaindre, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir, dans l'univers du jeu vidéo. En règle générale, quand les gens se plaignent pas, c'est que par définition, c'est souvent pas trop mal. Et en l'occurrence, moi je l'ai pas testé. Et je joue à ce jeu comme un cadeau de Noël. J'y joue pas comme d'habitude, quoi. J'y joue vraiment parce que c'est le seul jeu, c'est l'un des seuls jeux qui rentre dans le scope des rares jeux auxquels j'aime beaucoup jouer, quoi. Donc je veux pas qu'on spoil le truc, je veux pas regarder l'émission. J'adore presque mourir parce que chaque fois je me dis ah ça me fait chier, mais d'un autre côté je kiffe tellement chaque instant du jeu que je veux le savourer jusqu'à la dernière seconde, quoi. Et donc, de facto, j'ai aussi envie d'y jouer dans ce que je considère avec la meilleure expérience possible, à savoir difficile et en coop. Okay, idéalement, 4 personnes, 5 personnes. Bon, quand il n'y a que 3 personnes disponibles, on y va à 3. Okay, mais 4 ou 5 personnes, pour le coup. Néanmoins... visiblement l'intelligence artificielle friendly, elle est pas mal, et il y a moyen de s'amuser tout seul pour des gens qui n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête, ou qui n'ont pas des potes, ou qui n'ont pas envie de le faire avec des potes, etc. quoi. Ce que je peux comprendre, quoi. Néanmoins, moi je suis vraiment dans un état d'esprit où j'ai même pas envie d'essayer d'y jouer solo. Ah, désolé, la réponse elle était longue. Ah bon, je pense qu'ils vont avoir le même bug que la dernière fois, c'est-à-dire... Vous avez du coup, les gars, activé le truc qui fait que l'arme apparaît en jaune? Yes. Ouais. Non, je sais pas où ça, j'ai pas été voir. Ça, c'est vraiment le truc pour... Alors ça, c'est un truc qui est pas très RP. Moi, j'ai essayé le chat, j'ai essayé de faire en sorte que... d'enlever le HUD, par exemple. Hein, parce qu'il y a le téléphone qu'on peut sortir, donc j'ai enlevé vraiment tous les éléments de l'affichage pour qu'il y ait une vraie immersion pour le coup. Néanmoins, il y a des petits bugs avec des armes parfois qui peuvent se barrer sous la map, un truc comme ça, et qui nous empêchent d'avoir une certaine note, puisque t'as une note qui t'est donnée à la fin, quoi. Note qui bug un peu, qui est pas très plus exceptionnel du jeu pour le coup. Je viens de la ramasser, la carte, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout un objectif. Tout le monde doit la ramasser, parce que je viens de la ramasser aussi alors. Ah ouais, c'est bon, correct. Ouais. Voilà, ça, les trucs qui sont server-sided, client-sided, ça aussi, ça peut être un... Et c'est pas parce que quelqu'un passe à un endroit qu'il faut pas que quelqu'un d'autre y passe, parce que l'arme, elle peut avoir ragdoll d'une façon différente pour deux personnes, quoi. Il est où le badge ? Le mec dans le comptoir, on est d'accord qu'il avait une arme, hein. Perso, j'y joue solo, c'est cool. Si vous cherchez des potes, vous pouvez faire parler ça sur Discord. Il y a plus le badge pour nous. Moi, le badge, je l'ai pris là, à côté du carton de pizza, alors. Moi je l'ai pris là, j'ai pris un paquet de chips. C'est pas comme un genre d'objectif, parce que généralement quand c'est un genre d'objectif, ça te fait gagner des points. Et là ça a rien donné, donc c'est comme si c'était une carte. Ouais, mais c'est peut-être un easter egg. Mais ils le disent, ça. Non. Il y a un truc dans votre palme, les gars, regardez le truc. Je crois qu'ils parlent d'une carte d'accès pour pouvoir rentrer à un certain endroit. Oui, c'est ce que je disais, du coup, je pense que c'est... Y a pas une porte qui est verrouillée, définitivement verrouillée? Là, vous avez juste un truc, moi je le vois pas du coup, mais en haut à gauche vous avez le truc qui peut vous permettre d'appuyer sur oui. Y ou oui, haut. Oui, d'accord, ok, bon bah ça va être la même merde, c'est-à-dire oui, étant donné que je suis mort, ils vont nous dire qu'il nous manque des evidence et ils vont nous dire qu'un civil est mort, donc ils vont enlever 200 points et on va avoir un A à la place d'avoir le S, quoi. Ce qui est un peu. Mais bon, c'est toujours la même chose, c'est à peu près tout le temps la même chose. Donc on fait Y. Ça c'est chiant. Mais il y a un patch qui est prévu, hein. Du coup, oui, ils vont le patcher ça, mais du coup c'est un S. Ok, bon bah...